vais dévoiler, salut Marco, dévoiler les réponses des devinettes du début de la semaine. Alors, j'espère que vous aimez mon décor, mes costumes, mon petit filtre de flocons. Salut Véro! Je vais prendre une petite gorgée d'eau pendant que vous vous connectez. Salut Lucien! Tout commence par un rêve. Alors, je vous mets un petit hello dès que vous êtes là, un petit replay si vous écoutez en rediffusion. Toujours plaisant de vous savoir là à écouter le live. Vous voyez bien ma jupe? J'adore le filtre. Je pensais vraiment qu'il neigeait pendant un moment. Ouais, il neige pas dans ma maison. Mais j'ai essayé de trouver. Oui, Betty Boop aussi, mon cadre dans mon local, mon studio de chat. Fait que j'ai changé un petit peu l'alignement. D'habitude, vous voyez mon mur avec mes disques vinyles. Mais là, ce soir, hey, salut Amber! Salut à Jacinthe aussi. Fait quoi, c'est ça, vu que là, j'ai mon décor de Noël. Puis que. Salut Magali aussi! Vu que c'est un live de Noël, ben là, je voulais vous montrer mon décor, mon beau sapin. Ouais, des forêts! Fait que je me suis costumée aussi pour l'occasion. Fait que ce soir, c'est le dévoilement des chansons que j'avais inscrites en début de semaine sur ma page. C'était sous forme emoji. Fait que vous aviez 6 devinettes à faire. Fait que aujourd'hui, je vous les dévoile lors du live, ces réponses-là. Salut Lucie! Ou Jean-Roch. Lucie et Jean-Roch, peut-être les deux. Fait que je vous dévoile les réponses en les chantant. Il va y avoir d'autres devinettes aussi lundi sur ma page, donc vous surveillerez ça et vous essayerez d'aller y répondre. Des fois c'est facile, des fois c'est difficile. Fait que c'est ça. Fait que je vous chante les 6 chansons ce soir. Je les chanterai pas au complet, toutes les chansons. Il y en a certaines que je vais faire des petits extraits. Il y en a d'autres que je vais chanter au complet. Hey, salut Charles! Contente que tu sois là. Fait que n'hésitez pas à commenter le live et à le partager si le cœur vous en dit. Fait que des petits extraits ce soir, j'ai sorti mes grelots aussi pour l'occasion. Yes, merci Jacinthe d'avoir partagé le live. Donc voilà, la première, je sais pas si vous l'aviez deviné, je vous ai remis aussi les emojis dans la description du live. Alors la première, ben évidemment, c'est pour ça aussi que je porte cela. Alors, vous l'aurez peut-être deviné. C'est le petit reine au nez rouge. Donc, j'ouvre le live avec cette chanson. Fait qu'envoyez-moi les petits cœurs, des petits pouces si vous êtes prêts. Je vais m'en prendre une gorgée d'eau. Puis, je vous chante un petit extrait du reine au nez rouge. Hey, on est 21, gang! Merci beaucoup! Fait que n'hésitez pas à partager. C'est vraiment un bonheur de vous savoir là avec moi pour m'écouter lors de mon live. Fait que le petit reine au nez rouge, merci beaucoup Martin, c'est gentil. Version jazzy du petit reine au nez rouge. Alors, devinette numéro 1, le petit reine au nez rouge. On l'appelait les rouges, ah comme il était mignon, le petit reine au nez rouge. Rouge comme un lumignon, son petit les faisait rire, chacun s'en moquait beaucoup. On allait jusqu'à dire qu'il aimait boire un petit coup. Une fée qu'il entendit pleurer dans le noir, pour le consoler, lui dit, viens au paradis ce soir. Comme un ange né rouge, tu compteras dans le ciel. Grave celle-là. J'ai chanté aiguë. Salut Julio! On va s'en prendre un petit long. On va chanter l'autre partie de la tune dans le grave. Des fois, quand on voudrait chanter à la maison. On l'appelait Nez Rouge. Ah, comme il était mignon. Le petit reine Nez Rouge. Comme un lumignon, maintenant qu'il entraîne
char à travers les cieux. C'est lui le roi des reines et son effet des envieux. Vous fillez tous ces garçons pour la grande nuit. Si vous savez vos leçons dès que sonnera minuit, ce petit point qui bouge ainsi qu'une étoile au ciel, c'est le nez de nez rouge annonçant le Père Noël. Et mon Dieu, qu'ils sont déjà partis l'autre raison. Fait que la prochaine, salut Karine. Ouais, une petite version jazzy. Ouais, ça dort en France pas mal à cette heure-là. Là. Je l'écouterai demain le live. Fait que la prochaine, je sais pas s'il y en a qui l'avaient deviné. C'est Père Noël arrive ce soir. Alors, je vous chante un petit bout de ça. Bonne écoute. Merci d'être là, tout le monde. J'ai vu dans la nuit passer un traîneau. J'ai vu aussi ton grand ami. Père Noël arrive ce soir. Il allait vers toi dans la cheminée. Il allait vers toi pour y déposer des jouets dans ton bas de soie. Et quand viendra le jour, tu te lèveras. Faudrait pas oublier d'être sage toute l'année. Alors voilà, c'était le petit reine. Ben non, le petit reine, c'était tantôt, j'en ai mêlé. C'était le petit reine au nez rouge, suivi de Père Noël arrive ce soir. Fait qu'on est toujours dans les devinettes. Fait que comme je vous disais, pour ceux qui viennent de se connecter, n'hésitez pas à écrire un petit hello, un petit replay si vous écoutez par la suite. Et comme je disais tantôt en début de live, pour ceux qui viennent d'arriver, ben, merci Charles, merci Jacinthe, Viviane. Pour ceux qui viennent d'arriver, dans le fond, il va y avoir encore lundi sur ma page. Je vais mettre des nouvelles devinettes en emoji que je vais vous chanter aussi au courant de la semaine. D'ailleurs, il n'y aura pas probablement de live en chanson vendredi prochain parce que je vois pas c'est qui fait les petits cœurs. Oui, jazzy, c'est beau, c'est tout en beau le jazz. Il n'y aura pas de live vendredi prochain, mais attention, notez ça à votre agenda. Vendredi prochain, écoute bien ça, Alex et Véro. Vendredi prochain, le 10 décembre à midi, ici même sur ma page, je serai en entrevue rencontre artiste inspirant avec la chanteuse Andy Saint-Louis, qui est aussi connue sous le nom de Andy de Frenchie pour ceux qui sont qui ont un compte sur Twitch. Fait que je vais être en entrevue ce vendredi. Il y aura des prix aussi à faire tirer pour ceux qui pourront être là lors du live. Donc, c'est vendredi à midi. Écoutez, cette chanteuse-là, ça fait depuis le mois de juin que je lui demande à chaque mois pour venir faire une entrevue avec moi. Fait que je suis vraiment contente de pouvoir la recevoir. Si je ne m'abuse, elle est à Montréal maintenant, cette chanteuse-là. On a pu la voir aussi cette semaine dans Qui sait chanter. Fait qu'en tout cas, elle est comparée à une François Pérusse féminine. Donc, c'est vraiment cool ses chansons. Si vous la connaissez pas, Andy Saint-Louis, allez voir ça sur Spotify, sur YouTube. Elle est vraiment incroyable. Donc, vendredi, ici sur ma page, je vais la voir en entrevue. Oui, je sais, Véro, que Alex l'aime beaucoup. Fait que voilà. Fait que je continue. Je vous interprète 6 chansons ce soir. Certaines, ce sera uniquement des extraits et d'autres, ce sera la chanson au complet. Fait que la prochaine devinette numéro 3, je suis rendue à... J'ai vu maman embrasser le Père Noël. C'était ça la prochaine à deviner.
ça s'en vient. Moi, j'ai vu petite maman hier soir en train d'embrasser le Père Noël. Ils étaient sous le gui et me croyaient endormi, mais sans en avoir l'air, j'avais mes deux yeux entrouverts. Papa était venu à passer. Je me demande ce qu'il aurait pensé. Aurait-il trouvé naturel, lorsqu'il descend du ciel, que maman embrasse le Père Noël? Vous avez du fun! Je me suis maintenant à mon beat là que j'ai parlé. Aussi, pour l'an prochain, j'ai bon espoir qu'il viendra encore à mon appel. Maman embrasse le Père Noël. Et de nouveau, je ferai semblant de dormir profondément si maman embrasse le Père Noël. Excusez-la. On va attendre pas que l'autre reparte suite. Hey, j'aimerais ça dans les commentaires, justement, s'il y en a qui veulent partager des anecdotes. Salut Cindy qui vient d'arriver. Magali, j'ai bien juste d'écouter la dernière de qui s'est chantée. Oui, elle est vraiment talentueuse, Andy Saint-Louis. Fait que c'est ça, c'était la gameuse dans qui s'est chantée. J'ai même pas encore écouté l'épisode. J'aimerais ça s'il y en a qui veulent partager pendant que je me prends une petite gorgée d'eau, si vous avez des anecdotes de quand vous étiez jeune avec le Père Noël. Moi, il y a mes parents qui faisaient des traces de grosses bottes en arrière de la maison pour que je pense que le Père Noël était venu marcher. Il y avait évidemment les fameux biscuits que là, ben c'est sûr que le Père Noël mangeait, mais pas au complet, laissait des petites miettes, s'essuyait la bouche sur l'essuie-tout. Fait que s'il y en a qui ont des anecdotes de Père Noël, qu'est-ce que vous vous avez eu quand vous étiez enfant ou qu'est-ce que vous faites à vos enfants présentement? Avec la magie du Père Noël ou des lutins même, j'aimerais vraiment ça savoir ça dans les commentaires. Fait que c'est ça, moi il y avait les grosses traces de bottes puis les biscuits là surtout, puis souvent ben j'avais un petit mot personnalisé aussi sur un tableau ou sur une petite feuille. Tu broyais au centre d'achat pour pas y aller? Ouais, des fois ben c'est ça, un vieux monsieur barbu qu'on connaît pas, ça peut être épeurant, Charles. Sébastien aussi, t'avais peur? Ouais, des fois il y en a que c'est comme avec les mascottes, puis il y en a d'autres que c'est les Pères Noël. Des fois que c'est comme plus épeurant. Quoique, si on regarde des photos de il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années, les mascottes puis les Pères Noël, puis tout ça, c'est un peu plus fréquent qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est des beaux Pères Noël. Ils ont des belles barbes pis tout. Les traces du Père Noël, Magali, dans la maison, on a passé pour mes filles. Wow! Fait quoi, ouais, c'est vraiment des beaux souvenirs, ça. J'ai vraiment... Ben, pas que je trouve ça plate Noël, mais du moment où j'ai arrêté de croire au Père Noël, j'étais en deuxième année du primaire, j'ai vraiment trouvé ça plus plate, la magie de Noël. Je trouvais ça vraiment cool de croire au Père Noël. Bref. C'est toi qui voulais faire le Père Noël. Amber dit que Lily, son lutin, avait mis du papier de toilette partout dans sa chambre l'année passée. Hey, ça, c'est pas drôle. En tout cas, j'espère qu'il était propre au moins, le papier de toilette. fait que si vous avez d'autres anecdotes de Père Noël, là, ou de lutin, j'aimerais ça. Je vais aller faire le Père Noël quand je vais avoir une bénène. Ouais, tu peux prendre un petit peu plus de bière puis manger du fast-food, tu devrais être good. Fait que, je continue. On est rendu déjà à la moitié des devinettes. Et, ben, tant qu'à prendre une petite gorgée d'eau. Aussi, Noël s'en vient. Si jamais ça vous intéresse, j'ai de superbes certificats cadeaux. Je pense qu'on les voit à l'envers, là. Mais à l'école de chant, il y a des super, super certificats cadeaux.
peux inscrire pour qui tu veux le donner et c'est de qui. Et la valeur, ben, t'es pas obligé d'écrire le montant. Tu peux écrire, exemple, un cours de chant de 45 minutes, un cours de chant de 60 minutes. Fait que ça se glisse super bien dans un bon Noël également. Puis, c'est ça. Ça peut être autant un cours que vous achetez deux cours, trois cours. Ouais, c'était pas facile les deux minutes à Claudia. Claudine, excuse-moi. Merde, j'essayais de lire Sébastien en même temps. Claudine, excuse-moi. Oui, c'est ça, c'était pas facile. Fait que certificats cadeaux de l'école de chant sont disponibles à l'année, mais c'est un super de beaux cadeaux à Noël pour, tu sais, les autres années, il y a souvent plusieurs personnes qui offraient ça en cadeau. Puis par la suite, souvent, les élèves s'inscrivent vraiment à l'école de chant en suivi régulier. Fait que ça peut être comme pour venir essayer un cours d'essai pour offrir ça à la fête de quelqu'un ou à Noël. C'est un super de beau cadeau original à offrir parce que dans le fond, ça permet à un être cher de s'offrir du temps personnel pour justement venir travailler une passion l'instant de 45 minutes ou 60 minutes. Et Sébastien qui est là dans les commentaires, j'en profite aussi avant que je continue. Sébastien qui sera prof aussi de chant à l'école de chant, à mon école de chant en janvier. Et je sais pas Sébastien si tu l'as pas loin sous la main le lien que je t'avais envoyé pour s'inscrire à la liste d'attente. Sachez que la prochaine session débute en janvier. Fait que si Sébastien t'as le lien pas loin, peut-être le mettre dans les commentaires s'il vous plaît, ce sera apprécié. Fait que Sébastien qui commence avec moi comme deuxième prof de chant en janvier. Et ben c'est, vous pouvez vous inscrire dès maintenant dans le fond. On signale les spams s'il vous plaît. Vous inscrire dès maintenant dans le fond parce que j'ai déjà commencé à contacter les gens pour faire mon horaire en janvier. Super, ben si tu peux le mettre dans les commentaires, les gens pourront cliquer dessus. Puis au pire, moi je leur mettrai dans la publication par après. Fait qu'on continue ça en chanson, envoyez-moi des petits cœurs. Je vous start ça, on va être rendu. Mon Dieu, je viens de perdre une boule. j'ai failli renverser mon eau sur mon clavier. Je suis gauche, j'en ai envie. Fait que je viens de perdre une petite boule de Noël qui était accrochée après ma jupe. Fait qu'envoyez-moi des petits cœurs, faut pas trop que je chante avec cette robe-là, ça a de l'air. Dolorama. Yes, puis on est rendu à Les anges dans nos campagnes. Fait que c'était ça la prochaine. D'ailleurs, je pense que c'est une chanson que ton frère a chanté dans la chorale, Sébastien, quand nous étions jeunes. Je ne m'abuse, c'était ta soeur, un des deux. Cindy, je vais aller. Voyons ton anecdote, Cindy. Ton conjoint faisait le Père Noël, allait déposer les cadeaux sur le sapin quand les filles étaient plus jeunes et le lendemain, on ne voyait plus que les traces au sol, les biscuits mangés. Mais là, mon Dieu, mais la caméra avait miraculeusement filmé le Père Noël sans qu'il s'en rende compte, donc on voyait tous ces vidéos le lendemain matin. L'émerveillement pour les filles. Yeah. Mes boucles d'oreilles, Colette, elles viennent du Dollarama, mais je les ai achetées l'année dernière, alors je ne sais pas s'il y en a encore cette année. Merci Sébastien! Alors on enchaîne avec les anges dans nos campagnes! Comme vous en dites, n'hésitez pas à partager le live, ça fait toujours un grand plaisir. Les anges dans nos campagnes ont entonné l'hymne des cieux et les cours de nos montagnes redisent ce chant mélodieux. Un petit extrait de Les anges dans nos campagnes. Nous aussi, Charles, tu nous manques. Gros bisous. Fait que voilà, Les anges dans nos campagnes, c'était déjà la quatrième devinette. Fait que j'avais fait 4 devinettes en français et j'avais également fait 2 devinettes en anglais. Oui, j'ai descendu grave, je m'attendais même pas à ça moi-même. Je me suis scrappée un petit peu la voix la semaine dernière, par exemple, en voulant aller un petit peu trop grave avec mon élève Dave. Mon élève Dave qui est basse, alors j'ai essayé de descendre aussi bas qu'une basse, puis c'est sûr, j'ai pas la voix d'une basse dans la vie, fait que c'est ça.
Ouais, alors les deux prochaines, ben, c'est des chansons en anglais, les prochaines devinettes. Ah, il y a full de monde, je suis vraiment contente, c'est vraiment super le fun. Fait que je sais pas s'il y en a qui les avaient devinées. J'ai sorti mes grelots pour l'occasion. Tu faisais mes bacs avec une sinusite. Ben, je trouve que ça sonnait bien quand même, Charles. Fait que, hey, j'ai vraiment trouvé ça le fun, parce que tantôt, quand je chantais... Ouais, quand je chante, il sort des flocons de ma bouche. C'est malade. Je vais mettre ce filtre-là à chaque fois, je pense, quand je fais des lives de Noël. Fait que la prochaine, Jingle Bell Rock. Oui, on pourrait la faire en canon. Fait que Jingle Bell Rock, je suis pas sûre que vous la connaissez, si vous avez envie de chanter avec moi. Merci Viviane, t'es fine. C'est parti! C'est un collier de chien, ce by the way. Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock. Jingle Bells. And jingle bells ring, snowing and blowing on bushes of fun. Now the jingle up has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime in jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time. It's the right time to rock the night away. Jingle bell. Gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mixed and a mingle and a jingling feet. That's the Jingle Bell Rock. Woo! Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime in Jingle Bells time. Dancing and prancing in Jingle Bells Square. In the frosty air. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime in Jingle Bell time. Snowing and blowing the bushes of fun. Now the jingle up has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime in Jingle Bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time. It's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and a mingle and a jingle in feet. That's the jingle bell. That's the jingle bell rock. Jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell rock. Alors voilà, c'était Jingle Bell Rock. Belle ambiance, mais merci Jacinthe. Oui, Asuna, mais non, c'est pas un collier. C'est pas un collier pour Asuna, ça pourrait. Merci Lynn, salut, merci d'être là. C'est vraiment un collier de chien que j'avais acheté vraiment quand j'ai commencé à enseigner. Ça fait quasiment 10 ans que j'ai acheté ça. Puis je trouvais pas de beau grelot qui sonnait Noël. Fait que dans le temps de Noël, j'avais trouvé ça chez Rossi, un collier de chien. Mais c'est quand même pratique parce qu'on peut vraiment se le tenir comme un petit bracelet, puis ça a les couleurs de Noël. Fait que je trouvais ça cool. Mais oui, c'est vraiment un collier de chien à la base, là, on le voit ici, là. Fait que voilà! Il y en a qui déguisent leurs animaux à Noël ou à l'Halloween. Ouais, il est pas mal un peu gros, hein? J'ai un chien de 10 livres quand même. Faut pas charrier. Hein, il en reste une dernière. Puis je crois que c'est une de mes favorites de Noël. Alors, je sais pas si vous l'aviez deviné dans les devinettes cette semaine. Alors... J'aime bien ça, aller voir aussi, je fais souvent ça avec mes élèves, aller voir l'auteur qui a inscrit, qui a écrit, c'est-à-dire la chanson, j'essaie de vous le dire en même temps, ben pourquoi qu'il a écrit la chanson. Fait que je vais aller checker ça en même temps que vous autres. Puis après ça, je vous la chante, ça va être la dernière pour ce soir. C'est une photo de Jack avec une tuque de Noël. Oui, ça me prend un rappel de Blue Christmas.
Ben là, ça veut pas dire que ça va être cette semaine, Blue Christmas, Charles. Ça va peut-être être une autre semaine. Là, je fais vraiment les devinettes, les 6 devinettes que j'avais mis sur ma page lundi. Ouais, la mission m'a envoyé des cœurs, Amber. OK, alors, la chanson. À Noël, je connais toutes les chansons parce que j'avais souvent les solos dans la chorale. J'adore plus la saison que la fête, mais j'aime les réunions de famille. Ouais. Oui, Charles, c'est ça, malheureusement. Ben, je vais en faire d'autres, genre d'autres déguisements pis tout, là. Il y en a tout le mois, là. Faut pas se décourager. J'en vous montre quand même 6 chansons par semaine. Fait que la chanson que j'aime beaucoup, c'est du groupe Wham. Alors, vous l'aurez peut-être deviné, c'est Last Christmas. I'll give you my heart. Donc, si je check avec vous, pourquoi qu'elle a été écrite cette chanson-là, je trouve ça tout le temps intéressant. Je fais ça avec mes élèves. D'ailleurs, si vous voulez vous inscrire, c'est le temps. Sébastien a mis le lien pour s'inscrire dans les commentaires sur la liste d'attente parce que déjà, je commence à faire mes horaires pour janvier et il ne reste plus beaucoup de place. Fait que si vous voulez avoir la chance de faire partie de l'école de chant, c'est une session de janvier à juin. Sinon, il y a toujours possibilité d'acheter un certificat cadeau si vous voulez venir faire un ou deux cours à la carte. Donc, c'est un super de beau cadeau que vous pouvez offrir. Merci Sébastien! Full efficace! C'était même pas prévu que t'étais là en plus, à ce moment. Last Christmas, I gave you my heart. La chanson a en fait très peu à voir avec Noël. Il s'agit principalement d'une relation ratée et d'un face-à-face avec eux un an plus tard. Seule la phrase Noël dernier, lorsque la relation entre son paroxysme fait réellement référence à la saison des fêtes. Fait que c'est ça. C'est quand même triste, hein, cette chanson-là. Last Christmas, I give you my heart. Combien court à la carte, Martin? Ouais, c'est ça. Dans le fond, vous pouvez soit venir directement à mon studio à Saint-Georges-de-Beauce ou sinon, il y a possibilité de suivre les cours en ligne. Puis, les cours à la carte, c'est la même, ça revient au même prix qu'à la session, dans le fond. Les cours de 45 minutes sont à 40$ et les cours de 60 minutes sont à 50$. Donc, voilà. Puis, c'est tous des cours aussi, il faut savoir personnaliser. Fait que selon les besoins, les goûts, les objectifs de la personne qui vient suivre les cours, c'est super adapté, là, dans le sens que j'ai des élèves de 6 ans, puis j'en ai de 60 ans aussi, là. Fait que c'est vraiment adapté selon chaque personne, vraiment personnalisé. Fait que voilà. Fait que je vous fais cette dernière chanson-là, Last Christmas, I gave you my heart. Puis, je fais une petite version piano que j'aime pas mal. Fait que, si vous êtes prêts, je vais prendre une gorgée puis on y va avec la dernière chanson pour ce soir. Merci d'avoir été là, en grand nombre. Oui, merci Seb, c'est full fun. Fait que voilà, dernière chanson pour ce spécial Noël. La semaine prochaine, pour ceux qui sont arrivés plus tard, vendredi prochain, il n'y aura pas de live à 19h, mais il va y avoir un live sur l'heure du dîner à midi, heure du Québec. Je serai en entrevue artiste inspirant avec la chanteuse Andy Saint-Louis. Si vous la connaissez pas, allez voir sur Spotify, YouTube. Elle est géniale et ce sera très inspirant, ça, il n'y a pas de doute. Et il y aura des cadeaux aussi à faire tirer pour ceux qui commenteront lors du live. Pendu, je souffle. Me.
moi, je vous laisse trop pendant que je chante, ça me déconcentre. Je me mélange dans mes notes. Mais merci d'être là, c'est vraiment apprécié. Crowded room, friends with tired eyes. I'm hiding from you and your soul vice. My God, I thought you were someone to rely on me. I guess I was a shoulder to cry your face on. A lover with a fire in his heart. A man on a cover, but you told. C'était ma petite version de Last Christmas, puis j'étais même pas supposée vous la faire au complet. Fait que la dernière partie, je l'avais zéro pratiquée, j'étais juste censée faire un extrait. Fait que vu que je voyais que vous étiez toujours là, ben j'ai décidé de vous la faire au complet, du meilleur de ce que je me souvenais de cette chanson-là, que j'aime beaucoup. Je vais essayer de vous lire un petit peu, des fois ça bug sur le téléphone. On peut signaler les spams. All I want for Christmas! Peut-être que je vais la faire celle-là aussi, Charles, mais pas dans une autre semaine. Fait que, I'll be home for Christmas. Ouais, fait que c'est ça. Dans le fond, on devrait la faire en gang, moi, ça serait beau. Ou, so this is Christmas, and a happy new year. Ça, ça serait beau en gang. Oui, ben, ça fait plaisir, Magali. Fait que voilà. Fait que, comme je disais, les prochaines semaines, là, les lives ne seront pas nécessairement... Salut Mel! Les lives ne seront pas nécessairement les vendredis à 19h parce que la semaine prochaine, vendredi à midi, le 10 décembre, je serai en entrevue artiste inspirant avec la talentueuse Andy Saint-Louis. Et l'autre semaine d'après, ben, c'est ma dernière semaine de cours de chant avant les vacances avec les élèves. Donc, je vais pas mal sûrement être bookée tous les soirs. Fait que je vais sûrement faire le live un midi de semaine quelconque également. Fait que je vais vous tenir au courant sur ma page, là, faites-vous-en pas. Mais pour les vendredis soirs, c'est ça, il n'y en aura pas vendredi soir la semaine prochaine. Fait que merci vraiment à tout le monde d'avoir été là puis d'avoir participé en grand nombre. C'est vraiment cool. Oui, ça serait vraiment nice, Charles. Fait que voilà, fait que n'hésitez pas si vous voulez vous inscrire à l'école de chant. La prochaine session débute le 3 janvier, donc ça s'en vient. Et ben restez au courant, lundi prochain, il y aura des petites devinettes supplémentaires, 6 devinettes supplémentaires sur ma page sous forme d'emoji. Fait qu'on se quitte avec le petit intro du petit reine, on est rouge! Oui, je suis belle avec mes cornes, merci! Fait que petite intro du petit reine, on est rouge, on se quitte avec ça, gang!